Coucou la miam miam family, si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie de t'abonner et tu vas voir, il y a plus de 500 vidéos avec de très belles recettes, de bonnes astuces, de bons conseils qui vont te plaire. Pour cette recette, il te faudra 400 g de viande hachée, du sel, un gros oignon, 3 gousses d'ail, de l'huile d'olive. Et puis, on va démarrer. Ici, tu vas prendre 8 à 10 minutes pour permettre à ta viande d'être saisie et de perdre sa coloration rouge ou rose. En tout cas, il faut que la viande, voilà, perde cette coloration-là et devienne un tout petit peu foncée comme ça. C'est 8-10 minutes à feu, voilà, à flamme élevée. Et là, tu vois, j'ai rajouté de la crème de cuisine. Voilà, c'est de la crème de cuisine. J'en ai rajouté 400 ml. Ici, c'est du poivre noir, c'est super important pour cette recette. Il te faut du poivre noir et non du poivre blanc. Voilà, c'est tout. Ici, on va bien mélanger comme ça et on va laisser cuire tranquillement le temps de cuisson des pâtes, c'est-à-dire une dizaine de minutes. Voilà, donc pendant une dizaine de minutes, tu vas laisser ça à feu moyen et voilà. Donc, au bout d'une dizaine de minutes, voilà de quoi ça a l'air, tu vois. C'est super crémeux. Et mes pâtes aussi sont cuites. Là, je vais rajouter l'eau de cuisson des pâtes. Ça, c'est de l'eau de cuisson de mes pâtes. Je rajoute de l'ouche. Ça permet de ne pas avoir une recette très sèche. Et ça permet aussi d'avoir quelque chose de crémeux, d'onctueux en bouche. D'accord? Et là, on va rajouter 500 grammes de pâtes. Tu prends les formes que tu veux. Et surtout, tu n'oublies pas de t'abonner en regardant cette vidéo. Voilà, dernièrement quand même, j'avoue que je vous présente beaucoup de recettes de l'Italie. Mais voilà, j'espère que ça te plaît, que ça te parle. Et si jamais tu essayes chez toi, dis-moi. Voilà, c'est prêt, on est arrivé à la fin. Tu peux rajouter du parmesan ou du grana padano si tu veux. Moi, je ne voulais pas en rajouter parce que pour moi, ça va. La crème de cuisine est déjà assez grasse, donc pas besoin. Mais voilà, tu peux en rajouter si tu veux. Moi, je te dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et on se dit à bientôt. Ciao! Miam miam!